Salut à tous et bienvenue sur Europa Universalis 4 avec les Incas. Alors première chose, j'en suis à combien? J'en suis qu'à 2 dettes. Oh ça va, 2 dettes. Alors ce que je vais commencer, c'est par attaquer ces lents. Je vais leur faire un petit outre-mer, tiens, ça apprendra. Comme ça au moins mes hommes, ils dormiront pas et ils auront une mission pour ce soir. Carthagène, c'est réglé, vous libérez Carthagène. Ouais, allez, hop, on va gérer Célan. Et on vous... Enfin, allez, deux fois, hop là, c'est réglé. Il n'y a pas de paix séparée. Par exemple, la Toscane, t'as pas envie de faire une paix un jour ou l'autre? Je suis sûr que t'as envie de faire la paix, la Toscane. C'est obligé, tu sais pourquoi? Parce que je suis sûr. 45 000 hommes, et s'ils me prennent en chasse, si je suis pris en chasse par 45 000 hommes, ça fait beaucoup. Je les ai pas mes 45 000 hommes ici, moi. Bon, les mecs, changement de plan. J'ai dit changement de plan. Ils vont où? Ils vont à Série. Changement de plan, j'ai dit. Vous passez la quatrième et vous vous cassez de là. Il poursuit toujours, hein. C'est un acharné le mec. Hein. Non mais oh le Francis, faut abandonner, hein. Nous on est plus là. Nouvelle science. Nous on s'est déjà barré, hein, tu sais. Hein. La guerre, tout ça, on n'aime pas ça nous. Hein. On n'est pas fou. Je te jure que c'est vrai, on n'est pas fou. Non. La guerre, on n'aime pas ça. Alors, laisse tout tranquille. Mais sincèrement, ils foutent quoi, eux? Ils sont buggés. Ils ont un souci psychologique, là. Non, et pourquoi le score de guerre, il est si faible, quoi? Faites des efforts, quoi. On va se manger une défaite là, ils sont 48 000. Comment voulez-vous qu'on en arrête 48 000? Remboursé. Bon, déjà, eux, ils vont mourir. J'ai de me casser le plus loin possible. Je sais pas, tu veux que je te donne un objectif Ils sont pas avec moi dans la guerre? C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai pas le Mexique avec moi dans la guerre? Ah mais c'est de l'arnaque. Et je peux pas appeler le Mexique. Oula, comment on fait pour appeler une de ces colonies quand elle n'est pas dans une guerre? Moi j'appelle ça une blague personnellement. En plus, ils sont bientôt là. Ah! Ils ont l'air de se calmer. Ils ont l'air de se diviser. S'ils pouvaient se diviser encore un peu plus, on serait contents, nous. Ah! Ils se divisent toujours un peu plus. Conclusion, on va se repositionner là-bas, les mecs. On a une chance. Tant qu'ils font que des sièges comme ça, on peut tenter de se les faire. 20 000, ça devient prenable. Tu pars là-bas, tu pars là, tu pars ici, et tu pars là-bas. Ça.
C'est lent, c'est fait. L'autre, il a combien? Il est à 21%. Oui, et eux? Il me semble que c'est eux, les Jaffna, qui vont rentrer en révolte. Donc, eux, c'est réglé. On les pique. Regroupez-vous là. Alors, comment, qu'est-ce que ça va donner? Viens ici. Ils sont 29 000 dans le coin. Du coup, il y a peut-être une possibilité, hein. Ouais, bon, bah là, les sièges, je suis en train de les perdre. Mais c'est eux, ils ont triché, quoi. Hein. Ah, non, eux, par contre. Je vais pas vous mentir, les mecs. Mais c'était pas l'endroit où il fallait débarquer. Comme je dis, je vais pas vous mentir. Vanille. 18 000. Ça fait beaucoup. La province, on l'a prise au moins. C'est déjà ça. Au moins, elle est prise. Ici. Il y a toujours 20. Un groupe de 21 000 hommes, là c'est des bois. Là c'est des montagnes. Bon bah au moins je vais mettre dans les bois. Si jamais ils font un mouvement dans les bois, on pourra peut-être leur résister. Là, on bute l'armée portugaise qu'on va essayer d'achever au plus vite. Donc comme ça, vous vous amusez à tuer mes petites armées, à faire du score de guerre dessus. Bah moi, je vais faire du score de guerre sur vous. Ouais, m'en fout de celui-là. Il fuit où? Il fuit encore. Oui, non, je suis désolé. On va vous buter. Putain, c'est long. Et c'est moi qui commence à avoir plus de pertes qu'eux. C'est une blague. Tu fais ça en vitesse lumière, t'es là-bas avant la fin du mois et tu me les tues. Voilà. Et tu reviens ici. 27%. 4. Ok, alors tout ce qui est... Et alors, de rien, j'en ai fait du casus belli, hein. On va voir, est-ce que je peux tenter ça? Il bouge. Il m'évite. C'est bon signe. J'ai vu les 78 navires arriver. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai cliqué au hasard sur le premier bouton que j'ai vu. Je tenterai bien l'attaque. Ils ont pas de chef, ils sont 6 000. Ils sont là le 3 mars. Comment ça se fait qu'ils arrivent si vite, quoi? C'est une blague, ils sont arrivés trop vite. Ils sont arrivés beaucoup trop vite. Y a des problèmes avec l'offre de paix actuelle et la durée de guerre, ça passera pas. On va vraiment galérer 30 ans. Carthagène, on n'est toujours pas converti. Allez quoi, j'avais vu des navires français revenir. Dites-moi que c'est pour que je vous tue une autre armée. Surtout que j'ai épuisé mes effectifs. Ben elle est pas mal celle-là, c'est vrai, tiens. Non. Je préfère rentabiliser mon conquistador pour des
pour de l'exploration. On retourne se mettre là-bas, on reprend l'avantage du terrain. On l'aura pas longtemps, mais au moins on fait pression. Les Portugais, là, je peux pas me battre contre eux. Ouais, c'est celui-là qu'il faut prendre. Ce qui concerne l'Australie. Ah bah, il y a encore des Portugais ici. On va y aller. Là, c'est des montagnes. Je préfère largement aller me placer sur des montagnes. Et avec de la chance, je peux dire. Celui-là, je vais le récupérer. Puis après, ben, c'est Dougzi avec qui il faut que j'améliore mes relations. Vingt-cinq points diplomatiques, oui. Vu que je suis pas en retard du tout. Allez, on y croit. Le score de guerre, il va monter comme d'habitude. On y croit, on y croit. Là, on a l'avantage numérique, mais ils sont sur des montagnes, il me semble. Ouais, montagne. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de soucis là. Là, c'est en cours et pas de problème. Sinon, là-bas, le problème, je suis toujours battu quand même par beaucoup d'hommes. Par contre, le fort niveau 3 m'aide à tenir. C'est déjà ça, c'est plutôt bon. Il n'y a pas de troupes qui débarquent ici. 72 navires. Non, apparemment, ils patrouillent dans le coin, eux. Maintenant, c'est des patrouilleurs. Ouais, bon, bah, ça c'est. Je suis pas sûr que ça coûte réellement du score de guerre, ça. 14. Durée de la guerre, on n'est plus qu'à moins 2. Ça, c'est du score de guerre que je peux tenir sans. C'est qu'il me donnerait tout, ça y est. Plus un peu d'argent. Ben voilà, je signe direct. Cash. Ça a été long, mais on l'a eu. Voilà. On a tout fait signer, enfin. Par contre, maintenant, il faut tout de suite que je m'achète des flottes de transporteurs parce qu'ils sont tous morts. Transporteurs, c'est eux. Oui, c'est bien eux. Transport, oui. Bah tiens, je vais créer un modèle. Transport. Ce sera les trans... Oups. Laissez-moi le jeu en pause, c'est pas fini. Sauvegarder. Ok, Yanni. Il m'en faut une vingtaine. En attendant, le coin protégé ici, il est comment? Il compte bouger ou pas? J'ai bien commandé des navires, je vais vérifier ça. Oui, c'est en cours de commande. L'armée, on est pas mal. Là, tout est lancé. Là, c'est un carnage au niveau de l'agitation. Et au niveau des cultures... Est-ce que j'ai pris ma science? Oui.
Donc je vais aller accepter quelques cultures de plus. Parce que j'ai pas de retard au niveau des sciences. Ils sont tous contents d'être chez moi. Bienvenue. Nous, on est un seul, on est un cas. Ah oui, là, il y a des gros risques de révolte. Donc, on va... Non, je peux pas baisser le risque parce que si je baisse, c'est qu'il y a les autres qui en profitent pour débarquer. Je pourrais pas résister. Là, je sais pas, ici, un tour par là. Je fais combien de colonies? T'as pas faire suffisamment de colonies vu l'argent que je fais? Ça c'est fait. Ici il faut que... Non, c'est lui qui l'a fait pour moi donc ça c'est réglé. Là c'est comme tout à l'heure, comme l'autre fois, il va falloir que j'aille bloquer l'armée. L'armée. Où est-ce que j'ai vu une armée moi? Va falloir bloquer les colonies bretonnes. Donc là j'attends mes transporteurs pour repartir de l'autre côté. Conflit interne. Vous allez voir, le Brésil, c'est nul. Il faut quitter le Brésil. Viendez chez les Incas. Enfin, maintenant, j'ai accès au casus belli impérialisme. Donc, on va, les guerres, ça va être beaucoup plus radical. Milan, Augsbourg, Bavière. Est-ce que c'est une guerre qui vaut le coup? Non, ils sont allés à l'Autriche maintenant? Non. En fait, les Portugais, ils mangent à tous les râteliers, hein. Franchement, les Portugais, alliés partout. Ils se sont pas beaucoup mouillés. Toi, tu continues de voyager. J'aimerais bien en lancer encore un. Là-bas, par exemple. Voilà, tu pars là-bas. En Russie. Ah, l'Espagne s'installe en Russie. Mince. Du coup, l'Espagne va prendre toute la Russie avant que j'y aille. Comment ça, vous voulez pas voter pour moi, les mecs? Putain, franchement, il n'y a personne qui vote pour moi là-dedans. Que des traîtres. Les Incas, on va reprendre. Parce qu'apparemment, les Incas, il y a eu un petit souci avec vous. Oui. Jaffna, j'ai bientôt vous... Ah, ça y est, mes navires sont... Donc les navires, vous venez là. 17 000, ça fera l'affaire. Allez, en avant. En avant. Point militaire, je peux pas acheter ma science. Et ben si je peux pas acheter ma science... On va en profiter pour s'en servir de manière un petit peu non conventionnelle. Encore une fois. Voilà. On les calme comme ça un petit peu. Donc mes 17 transporteurs. Vous faites cap sur Ceylan. Et je vais payer une dette. Je peux pas encore la payer, ma dette. Waouh, ça coûte si cher que ça ou quoi? C'est l'an qui est intégré. Ça, c'est de l'économie. De la fourrure, oui. Voilà. Et les dettes, c'est payé. Ça, c'est pour survivre au niveau de l'inflation parce que j'en ai trop. Alors le copain ici, est-ce qu'il a fini son tour? Toujours pas. Ouh là, par contre les Français, ils sont dans le coin là. Ils se sont même plutôt bien installés. L'Écosse, les Écossais se font plaisir par là aussi.
Il va falloir que je me relance dans l'Amérique du Nord tout court. Faut bloquer leur front. Parce qu'ils avancent trop vite à mon goût. Beaucoup, beaucoup trop vite, je dirais même. Ensuite, tu iras là, 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 là-bas aussi, et par là. Ok. J'ai toute la côte, ça qui est beau. Je me demande s'il n'y a pas encore une petite tribu par là, perdue, toute seule, qui ne demanderait qu'à me rencontrer. Allez, on se dépêche, on a besoin de vous au bout du monde. Un impôt. Donc là, sans hésiter, l'Australie, je contrôle. Je contrôle même bien. Je vais lancer ici. L'homme, c'est lui qui va fournir. 600 jours, mais c'est quoi ces distances de malade? Non mais franchement, faut qu'il fasse des efforts dans les durées des colonies. Enfin, dans les durées de trajet, hein. Je fais que des tours du monde à chaque fois. Je vais finir par peupler ici. Je crois que là, il faut du 100 jours. Ouh, oui, ça a pété chez la France, là. C'est des quoi? C'est des Français, des rebelles. Je fais combien? Ah, je fais pas beaucoup d'effectifs que pour. Enfin, pas beaucoup de recharge en hommes. Je m'attendais à plus. Il me semble que mes troupes sont arrivées. Du coup, on vous regroupe. Vous prenez ce général. Et à l'attaque. Voilà, on vous vire du pays. Je suis désolé, mais bon. Petite conversion de culture. Ah, ça a quand même pété avant que j'arrive. Donc tu vas là, tu vas là. Et la question, c'est comment je vais aller là-bas? Tu iras là-bas après. Ouais, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Donc il me faut. Je vais ramener mes transporteurs. Et il m'en faut plus. Donc vous revenez immédiatement à Ilus. Il passe par là pour aller à Ilus, et ben j'espère que j'ai ce qu'il faut. Et il m'en faut au moins 20 de plus. Ouais, à mon avis, ils me donneront jamais un accès militaire. On va pas rêver. Ce qui est con, c'est que du coup, ça va repartir à zéro. Il faut faire quelque chose, je confirme, on va payer. Ah, quand il s'agit de payer, je suis là, hein. Et j'ai les fonds. Si vous voulez payer, je sais faire. L'Espagne qui se développe là, les Anglais qui se redéveloppent là. D'ailleurs, je suis sûr que les Espagnols, les Portugais. Ah non, même pas, c'est Bohème qui s'est allié avec eux. Pour changer Bohème. Insulter l'Espagne, ça je peux faire. On va en rappeler. Ok, d'accord, je peux faire ça pour passer directement à insulter l'Espagne. C'est un peu plus pratique, j'avoue. Allez, insulter. Coloniser. SITK. Ah bah c'est la suivante. Bah je vais la prendre. Rappeler.
Bon, moi, les colons, on s'en sert, hein. Tiens, d'ailleurs. Mes transporteurs, est-ce qu'ils survivent au voyage? Ok, donc je voulais vérifier. Ils sont quasiment là. Vous, vous passez à Rio Grande. Et toi, tu vas à Rio Grande aussi. Directement à Rio Grande, en fait. Vous, vous passez aussi à Rio Grande. 14% si on a de la chance. Là, il faut juste qu'on ait un peu de chance. 30, 35%, on n'aura peut-être pas la chance là. Mon général est mort, c'est dommage. Conquistador. Bon, les 35%, ils vont passer un coup. Voir la province, je vais annuler. Ça sert à rien d'attendre. Ah, j'ai bien fait. Navire, hop, vous venez ici. Allez, hop. Une colonie terminée. Et on débarque. Un peu long, mais c'est fait. Et du coup, à rond, ça là, il va falloir la relancer. Allez, on se dépêche, le siège, c'est vraiment lent. C'est lent, comme on dit. Là, je peux rembourser une dette, là, je dirais. J'en ai plus, encore une fois. Enfin, je m'amuse à dire, j'ai plus de dettes, j'ai des dettes, j'ai plus de dettes, j'ai plus de dettes. Pareil, on va envoyer là-bas. Là, ça va être... J'ai vu, quoi. Je suis en conflit contre la Bretagne, quoi. C'est la Bretagne qui me résiste. Là, je sais pas si j'en ai accès. Ok, allez, vas-y, voyage. Allez, on va bouger d'ici parce que ça sert à rien d'attendre ici longtemps. Allez. Conflit interne chez les Mandchous, on s'en fout. Est-ce que j'ai fini de construire mes navires? Non, 100 jours, c'est long. Vous, vous passez là-bas. Et je vais vous fournir des renforts tout de suite. En fait, non, vous, vous allez rester là. Et c'est directement cette armée-là qui, dès qu'elle est réparée, elle ira bosser là-bas. Par contre, maintenant, je vais en profiter pour couper la maintenance de mon armée et essayer de faire un peu de sous. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné de sous. Bon, j'avoue que le moment où j'arrête de faire des troupes aussi, enfin, j'arrête de faire les colonies, je vais quand même gagner combien en plus? Ah ouais, mais là, en fait, ma dépense coloniale, elle est pourrie là. J'en ai déjà 5, plus 2 qui sont en trajet. Sont à combien mes colonies? Non, elle vient à peine de commencer, ça va coûter trop cher. Non, en fait, ils ont parlé de je sais pas quoi, mais si vous voulez. Oui, surtout, vous faites ce que vous voulez, mais vous venez pas chez moi, hein, sinon je vous tue. Moi, j'ai pas envie de vous voir chez moi. Allez, et je pense que je m'arrête. Oh, t'as... Si, t'as encore, ça va. Alors, est-ce que j'ai tout réussi? J'ai plus qu'une qui est en cours, c'est celle que je viens de lancer. Une guerre contre les Anglais, ils sont en guerre contre eux. Les Espagnols, Malacca, Bengale. Le Mexique, ils sont en trêve contre moi. Le Portugal, ils sont en trêve. Malacca.
Est-ce que je me tente pas directement une guerre coloniale de nouveau? Là, je fais juste un petit coup d'œil, parce que vu que j'ai beaucoup d'hommes ici, directement une guerre contre Madureï. Brunei, non, Malacca, ils sont trop gros. Dalviet. Ah ouais, non, là les Ming, ils sont vivants. Ning et Manchu. Les Manchus sont trop gros. Un premier. Et si je faisais un premier débarquement au Japon? Ils appellent les Kalka. Non, pas envie. Ah non, là franchement, les seuls petits qui restent. Non, eux, c'est l'Espagne. Ouais, faudrait faire un débarquement directement sur Madurai. Ils sont 18. Ah, ils sont quand même occidentalisés. Mais je leur fais une guerre d'impérialisme. Voilà, je vais remettre ma maintenance et c'est eux que je vais attaquer. On va aller s'implanter dans le coin. Allez, on se quitte ici. Ciao à tous. À demain. Bye bye.